Bonjour à vous toutes et à vous tous, ou bonsoir, merci d'être avec nous. 01net TV en direct de Las Vegas en ce dimanche pour notre dernier jour, notre dernier live depuis le CES 2017. On est ravis d'être là. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Bon, allez, Chine, pour la dernière. Pour le dernier jour, allez. Quatrième live spécial CES. On va parler dans ce live exceptionnel, vous allez comprendre pourquoi il est exceptionnel dans un instant, on va parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée, bien entendu c'est à l'honneur ici à Las Vegas. On parle également de vidéo 360 avec une véritable surprise en direct live. Et puis si vous aimez les drones, restez avec nous. Ah ouais, là vous allez vous régaler. On vous a déniché des choses incroyables et improbables. Dans ce dernier 01 live de cette édition CES 2017, on va énormément parler de start-up aussi, avec un défilé de start-up. On va parler de maisons connectées tout à l'heure, de santé, de bien-être connecté. Et puis, on vous fera découvrir un objet étonnant qui vous permet d'avoir du haut débit, même si vous n'avez pas de réseau. Ça m'intéresse. Voilà. Voilà, c'est le sommaire de ce 01 Live. Vous pouvez interagir comme d'habitude via Twitter, hashtag 01 Live. Et tout de suite, l'actu, ce qu'on vous a déniché de meilleur aujourd'hui pour ce quatrième jour. Et puis dans un instant, vous restez là, on vous fera partager une expérience de vidéo 360. Vous rêvez de savoir ce qui se passe derrière l'envers du décor et la régie de 01net TV ici à Las Vegas. Restez là, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Vous allez pouvoir voir ce live en vidéo 360 et en direct. François, sais-tu ce qu'est la réalité fusionnée ? Ouh là là, la réalité fusionnée ! On avait la réalité virtuelle, ouais. On avait la réalité augmentée, on avait la réalité réelle. Faut pas l'oublier. Oui, c'est-à-dire la réalité réelle, c'est celle qui existe depuis la nuit des temps. Bah, on est d'accord. Bon, c'est pas la plus intéressante, oui, franchement, pour nous. Oui, c'est vrai, elle est un peu has-been. Mais la réalité fusionnée, c'est un nouveau concept signé Intel. Alors, on va essayer de vous expliquer ça. Un bon masque. Courage. Moi, j'y vais. Un masque de réalité virtuelle, bon, ça, on connaît. Un scénario. Et alors, le truc, c'est que vous êtes plongé dans des images virtuelles, mais vous pouvez voir apparaître des objets ou des personnes réelles qui vont s'intégrer dans votre décor. Et là, on voit la démo. Ce qu'il y a sur l'écran, c'est ce que voit la personne avec le casque, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, elle est dans un univers virtuel. C'est un peu brouillon, hein, quand même. C'est un peu brouillon. Le truc, là. C'est vrai. Ou faites abstraction des lignes vertes. Et ce qui est amusant, c'est que quand quelqu'un se présente devant... Alors, il ne voit pas à travers, bien entendu. Oui. Sauf si je m'approche de toi, tu vas me voir. Et alors, ce qui est fun, c'est que si le logiciel est bien fait, on va plaquer une texture, par exemple, sur mon visage et je vais être un monstre affreux. Mais tu seras vraiment là. Je serai vraiment là, mais je serai déguisé en monstre. D'accord. Si tu fais ça au milieu de ton salon, ta table basse va, par exemple, grâce à un plaquage de texture, se transformer en vaisseau spatial. En caisse de vaisseau spatial, en poste de pilotage, ce que tu veux. Voilà, c'est la réalité fusionnée, version Intel. Première innovation présentée ici à Las Vegas. Il y en a une autre. Oui. C'est un masque de réalité virtuelle auquel Intel a décidé de couper les fils. Et ça, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. En fait, il y a tout à l'intérieur. Ben voilà. Parce qu'en fait, vous savez, un masque de réalité virtuelle aujourd'hui, il est forcément ou avec un smartphone ou alors connecté à des kilomètres de câbles, à un gros PC. Eh bien, Intel, vous savez, c'est un fabricant de processeurs, a réussi à tout mettre, en fait, à mettre toute l'intelligence dans le casque. Voilà. Et vous avez un petit PC dans le casque. On a testé ça aussi. Bon, moi, j'étais un petit peu déçu quand même. T'as pas été emballé. Parce que, franchement, alors voilà, vous voyez exactement ces images-là. Là, vous avez un masque de réalité virtuelle avec toute l'intelligence à l'intérieur. Il y a un PC dans ce masque. Il y a un Core i7, il y a un SSD. D'ailleurs, ça chauffe un peu, c'est amusant, même beaucoup. Mais bon, ça, c'est un proto, donc on va pas jouer là-dessus. Je dis pas le cerveau, ce qu'il en prend. Hein. Non, mais ce qui est très intéressant, François, c'est que, alors, vous savez, Intel ne va pas commercialiser ce genre de produit. Mais ils vont le pousser via des intermédiaires. Et ce système va être commercialisé avec un kit de développement en open source. Oui. Ça veut dire que si vous êtes fan de réalité virtuelle et si vous savez développer, vous allez pouvoir créer vos propres contenus sur cette nouvelle plateforme de réalité virtuelle, hors de tout smartphone. Ouais, ouais. Et on va peut-être créer des vocations avec ce genre d'outils. Encore faut-il que ça arrive aussi, comme tu le disais, en kit de développement. Hein. Oui, bien sûr. Autre chose, on reste toujours dans, on va dire, le visuel et les casques, sauf que là, c'est plutôt des lunettes qu'on va vous présenter. Ouais. C'est des lunettes de réalité augmentée ODG. Regardez ça.
Alors là, bon, c'est pas comme ça qu'on les porte au quotidien, hein, parce que là, c'était une démo. Oui, c'est un truc de démo. Imaginez des super Google Glass, hein, Jérôme, c'est comme ça qu'on peut les présenter. Hein. Oui, c'est un peu ça, voilà. Qui projette une image à l'intérieur. Alors, au lieu qu'elles soient dans un seul coin en haut à droite, là, elles sont vraiment... elles occupent tout le champ de vision, mais vers le bas. Et on peut... Si on regarde droit devant, on voit ce qui se passe en vrai. Et si on baisse les yeux, eh bien, on peut voir des tas de choses. Alors, vos mails qui arrivent, des instructions techniques pour réparer un pipeline, je ne sais pas, des choses comme ça. En fait, c'est connecté à votre smartphone. Ça peut être connecté à un PC en Bluetooth ou en Wi-Fi. Et donc, vous allez vous retrouver avec l'interface de votre appareil. Par exemple, si vous êtes en déplacement, on peut imaginer que l'interface de votre smartphone soit dans ses lunettes. Et vous pourriez même regarder un film, jouer, etc. Bon, alors, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a quand même c'est des efforts ODG qui fait de miniaturisation qui sont importants. Mais eux ne voient pas ça comme une utilisation grand public. J'ai discuté un petit peu avec eux, c'est pour les pros. Et ça peut, par exemple, servir aussi aux malvoyants. Parce qu'avec ces lunettes-là, ils pourront zoomer dans des images. Ouais, c'est pas mal. Et donc... malgré tout, pouvoir participer, je veux dire, à des choses du quotidien. Moi, j'ai trouvé que l'image était, enfin, c'était des lunettes de soleil, mais je pense que c'était pas volontaire. Il y a une opacité naturelle qui est bon. Enfin bref. Alors après, je ne sais pas si c'est peut-être encore un prototype, hein, tout ça. Hein. Voilà, c'est l'actu. On vous passe ça vite fait, bien fait. On n'a pas le temps de s'appesantir. Non. Une innovation qui va vous intéresser si vous habitez au soleil. Ouais. Hein, vous qui êtes dans le sud de la France et qui nous regardez, alors peut-être pas en cette saison parce qu'il fait froid en France, paraît-il. Mais en général, même à Las Vegas, il fait pas, enfin, puisqu'on parle de météo, il ne fait pas si chaud que ça ici aussi. Hein. Oui, enfin, je pense que là, on est mieux loti du côté du périphérique parisien. Regardez ce parasol, et il est magnifique. C'est le parasol. Et c'est le parasol ultime connecté, les amis. Ouais, alors et ça, ce parasol fait tout seul pratiquement. C'est-à-dire qu'il est... alors j'avais pris des notes que j'essaye de retrouver. Alors l'idée, c'est que ce parasol est connecté à votre smartphone. Et Jérôme, tu sais quoi, il y a un truc qui est très agaçant. Quand tu es au soleil, tu le sais tout comme moi, tu es sur ton transat. Oui. Le soleil, lui, il tourne. Et au bout d'un moment, tu n'es plus à l'ombre. C'est vrai. Et bien là, avec votre petit smartphone, vous allez tout simplement piloter votre parasol pour qu'il tourne et qu'il se mette exactement juste en dessous de vous pour que vous ayez toujours de l'ombre. C'est pas beau ça. Ça, c'est pas génial. Mais en plus, le truc génial, c'est qu'il peut le faire tout seul. Vous n'êtes même pas obligé de le demander à votre smartphone. En fait, grâce à tous les capteurs qu'il a, il va pouvoir tourner tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. Et en plus de ça, autant vous dire qu'il y a plein de gadgets à l'intérieur. On peut écouter la musique, on peut brancher son smartphone parce qu'il y a une prise USB, on peut le recharger. Ouais. Et il est entièrement alimenté par les panneaux solaires qui se trouvent sur le dessus. Et en plus... voilà. Il a un look d'enfer. Tu te souviens du prix qu'on nous a annoncé ? Alors oui, je m'en souviens, mais je ne sais pas si je vais le donner. Parce que ça fait mal. Parce que, si vous voulez, c'est un parasol, bon, voilà. Il va falloir quand même se lever tôt pour l'acheter. Un parasol de luxe. On est entre 3 et 4 000 dollars, hein, les amis. Ouais. Bon, si vous avez une grande terrasse, qu'il en faut plusieurs, mais ce truc-là, ça va marcher. Mais bien sûr. Et puis, voilà, c'est... En plus, il est très, très beau, hein. Franchement, très, très, très design. Allez, on termine par une image un peu waouh. Ça se passe, pour tout vous dire, à l'étage juste en dessous là, de nous, du côté de l'Eureka Park, là où il y a les start-up. Et c'est une start-up, alors, biélorusse, mais basée à Londres, qui propose des hologrammes sur des ventilateurs. Donc, par un système de projection LED... Toi, dès que tu LED, vois des hamburgers, il faut que tu les filmes. Hein. C'est quand même incroyable, ça. Moi, il y a un souci. Non, c'est les Pikachu. Ah oui. Et donc, on a vraiment l'impression que ces images flottent dans l'air. C'est assez étonnant. Donc c'est de l'hologramme, je le disais, une projection de LED sur des ventilateurs, parce que derrière il y a donc ce ventilateur qui tourne. Voilà, on les voit bien là, d'accord, c'est dingue. Et on peut créer absolument tout ce qu'on veut comme image, soit en synchronisant plusieurs ventilateurs, soit avec un seul appareil. Évidemment, c'est pas pour chez soi, ça n'a aucun intérêt. La maison, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Non, mais par contre, dans les centres commerciaux, dans les magasins, pour créer des animations, c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est très spectaculaire. Regardez ces images, on a l'impression que ce sont des images qui flotte dans l'espace, c'est assez impressionnant. Et moi, je me souviens, j'avais vu ça l'année dernière, mais c'était pas aussi évolué. Et d'année en année, les graphismes s'enrichissent et deviennent de plus en plus beaux. C'est vraiment magnifique. Voilà, fin de cette petite séquence actu. On va passer tout de suite à nos invités. Ils sont nombreux, on l'a dit. Avant de finir, on le rappelle, par les drones. Donc, on va parler tout de suite de Vidéo 360. Et on va vivre ensemble une expérience unique. Unique. À tout de suite.
Alors l'un des gros morceaux de ce CES 2017, bien sûr, c'est la vidéo 360, tout comme l'année dernière aussi. Hein. Mais on voit que d'année en année, de mois en mois, cette technologie progresse. Et nous sommes ravis d'accueillir Richard Ollier. Bonjour Richard Ollier. Bonjour, ça va bien ? Nous retrouvons... Salut Richard. Richard Ollier, que l'on connaît bien, qu'on a déjà reçu l'an dernier, donc start-upper français. Et vous arrivez avec un petit produit qu'on a déjà fait découvrir aux internautes de 01net TV juste avant le CES. Mais allez, on va vous le remontrer. C'était à la soirée French Tech. C'est un petit gadget adorable, c'est l'une des toutes premières caméras 360 pour iPhone. Exactement, alors l'idée c'est de dire aujourd'hui on prend des photos avec son téléphone, on stocke ses photos sur son téléphone et on partage ses photos depuis son téléphone. Le 360 degrés, naturellement, il fallait que ça se partage depuis le téléphone. Donc quoi de mieux que de créer une petite caméra qu'on branche sur son téléphone. Voilà, c'est l'idée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Pardon, des photos, des vidéos ? Alors des photos, des vidéos, du live. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs, je pense qu'on est en train de streamer en live. Alors, on y va, en fait, cette interview. Alors attention les amis, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être sur Dailymotion, sur Facebook Live, sur YouTube, sur 01nettv.com. Eh bien vous allez pouvoir voir la retransmission de ce qu'on est en train de faire en direct en 360 sur le compte YouTube de Giroptique. Alors comment il faut faire pour y aller ? Tu vas sur YouTube. Sur YouTube. Tu tapes Giroptique, ouais. G-I-R-O-P-T-I-C. Ok. Voilà. Tu vas arriver sur la page officielle et là, vous devriez avoir le live. Exactement. Pour voir ce que ça donne en temps réel. Alors, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage côté YouTube qui prend une trentaine de secondes. C'est pas de notre faute. Nous, on fait tout très vite et on pousse, mais YouTube est un peu plus long. Ouais. Et ça marche aussi bien sur PC que sur smartphone. Alors, ce produit-là est uniquement un produit qui se branche sur smartphone, mais la visualisation et bien entendu la consommation du contenu peut se faire sur le smartphone puisque c'est là qu'il est en priorité. Mais une fois que vous avez poussé ça sur YouTube, vous pouvez le visualiser avec votre smartphone, retrouver le gyroscope qui permet vraiment de naviguer à droite à gauche. Vous pouvez même mettre un casque de réalité virtuelle ou des petites lunettes pour le voir en VR. Est-ce qu'il suffit de cliquer sur YouTube, en mode cardboard, en mode cardboard, sur YouTube, ça fonctionne. Et vous avez, vous êtes assis avec nous au CES en fait. Et puis vous avez une appli dédiée. Exactement. Donc Giroptique, on a une appli dédiée. Donc lorsque vous branchez en fait ce produit-là, vous avez rien à faire. Le motto c'est plug, shoot, share. On branche, on prend une photo et on partage en français. Ouais. Et c'est vraiment de simplifier la capture sur ce produit-là. Il n'y a pas de bouton. Puisqu'en fait, vous allez réutiliser l'interface de votre smartphone. Ça, c'est génial. De la même manière que vous preniez une photo en appuyant sur votre écran. Ben là, on fait pareil, en fait. Alors, Richard, la révolution, parce que c'est finalement la vidéo 360, c'est votre spécialité. L'année dernière, on en parlait. L'année d'avant aussi. Exactement. Sauf que le produit a beaucoup évolué. Hein, ouais. C'est plus le même par rapport à celui de l'année dernière. Exactement. Et la grosse nouveauté, c'est ce live 360. Ça, c'est la vraie innovation de cette année. Est-ce que ça va révolutionner, les contenus ça live? Ça va démocratiser la 360, enfin. Et où est-ce qu'on pourra le voir, ça, ce 360? Alors, le live en 360, aujourd'hui, il est disponible sur YouTube. Ça fonctionne bien puisqu'on fait une démo. Il y a Facebook qui vient d'annoncer ou qui a fait son premier live en 360 degrés. Donc, nous, on sera prêts dès qu'ils seront prêts à le déployer pour l'ensemble. Oui, parce que déjà sur Facebook, on peut faire des photos en 360, des choses comme ça. On peut faire des photos, des vidéos, on peut faire des lives, mais il n'y a pas encore le live en 360 degrés. Ils ont fait un premier, ça va arriver. Donc, ça va faire partie des médias sur lesquels vous allez pouvoir diffuser. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant dans le live, vous regardez un match de foot, vous ne regardez pas le résultat à la fin. Vous aimez bien regarder l'histoire. Donc, le live, c'est l'instantanéité, c'est de l'engagement. Mm-hmm. Le 360 degrés, ça permet de résoudre un problème, c'est simple, on n'est pas tous cadreurs. En fait, ici sur ce plateau, il y a des cadreurs, des gens dont le métier c'est. De talent d'ailleurs. Exactement, de talent. L'idée du 360 degrés, c'est d'éviter de bouger, de dire oh, tiens, regarde par ici, regarde par là. Et au final, on pose la caméra comme on est en train de le faire. Et la personne à distance décide de naviguer, de regarder à droite à gauche et puis de se faire sa propre expérience. Dites-nous, si vous nous regardez actuellement vidéo 360, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est sympa. Alors le son ne sera pas le même que celui habituel. Oui, parce forcément. Que là en fait c'est le micro qui est intégré dans l'iPhone, donc on est un peu loin. Et avec le bruit du salon, je ne sais même pas trop si vous nous entendez. Exactement. Mais là voilà, on fait une petite expérimentation. Tout à fait. Richard, ça sort quand et à quel prix? Alors, c'est disponible, on a annoncé ça le 13 décembre, on expédie les premières unités le 17 janvier, on est déjà sold out en fait sur ce premier batch, et ça sort à 249 dollars. Souvenez-vous, attention de euro-dollar. Oui, euro-dollar en ce moment, c'est la même chose. Et donc disponible sur notre site giroptique.com. et puis de la distribution qui arrivera un peu partout dans le reste de l'année. C'est pour ça qu'on est au CES. Vous avez beaucoup de concurrents ou pas?
J'ai vu qu'il y avait une petite boîte aussi qui faisait à peu près la même chose que bien vous. Bien entendu, alors il y a du monde qui se lance dans le 360 degrés puisque c'est un marché qui est hot. Il y a Samsung aussi qui le fait. Exactement, sauf qu'on pense qu'on le fait bien et mieux puisque ça fait 8 ans qu'on est là. D'accord, et vous avez un savoir-faire. On a un savoir-faire, c'est surtout en fait la simplicité, les applications, l'interactivité, la connectivité. Prendre une photo 360 degrés si c'est pour rester sur une carte SD, ça sert à rien. Nous, on aime bien les partager. Mais moi, je suis assez enthousiaste sur l'avenir de la 360 en direct. Je pense que ça peut révolutionner les concerts, les retransmissions sportives, etc. Il faut qu'on arrive à avoir une qualité vidéo qui soit vraiment améliorée encore. Mais on va y arriver, je pense, non ? On y vient, mais c'est surtout aussi une question de tuyaux. Tuyaux aujourd'hui. Il faut beaucoup de débit aujourd'hui. On consomme des contenus en 4G, etc. Et c'est difficile d'aller chercher plus d'un Full HD. Et en 360 degrés, vous avez besoin d'aller aller chercher éventuellement un 4K, sauf qu'aujourd'hui, les tuyaux ne sont pas capables de les diffuser. Et vous faites un live sur un YouTube, sur un Facebook, la première chose qu'il fait, c'est de repasser en 720p. Donc, vous avez beau pousser tout ce que vous voulez en amont, si derrière, c'est reconverti, ça ne sert à rien. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de passer nous voir. On est désolé, il faut qu'on speed un peu. Pas de problème. Parce qu'on a beaucoup d'invités. Bon, en tout cas, on reste encore quelques minutes. Et puis, on se voit dans l'avion pour rentrer à Paris. Et oui, c'est possible. En avion pour rentrer à Paris, c'est clair, on va tous rentrer ensemble. Je vous dis pas. Hein. Merci Richard. Merci beaucoup. On va passer à une autre innovation qui fait beaucoup parler d'elle au CES depuis même avant l'ouverture du CES. Alors là, écoutez, vous en penserez ce que vous voulez en penser. Hein ? Chacun a son avis sur la question. Ça me fait peur quand tu dis ça. Moi, je trouve ça assez insolite et vraiment sympa. C'est la brosse à cheveux connectée. Et ça, c'est une innovation d'une grande entreprise française que l'on connaît maintenant. C'est WeThings. Et nous recevons pour en parler Mélanie Halsberg. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors, une brosse à dents. Une brosse à dents. Brosse à cheveux. Non, parce que ça, si tu mets ça dans ta bouche, là, tu vas. Au moins, comme ça, j'aurai les dents propres. Hein. Une brosse à cheveux connectée, mais quelle idée. Ça sert à quoi? Donc, l'idée de la brosse connectée, c'est qu'on s'est dit qu'on a voulu prendre un objet du quotidien. Donc la brosse, et de l'enrichir de capteurs pour donner plus d'informations aux utilisateurs sur l'état de santé du cheveu. Et donc notamment sur des problèmes assez récurrents et pas forcément visibles à l'œil, comme la casse des cheveux, l'état d'usure en fait, des cuticules des cheveux. Donc, et après il y a aussi les aspects de sécheresse, les frisottis, les pointes sèches, tous ces éléments-là, oui. D'accord, donc ça, on a toutes ces informations-là sur l'application qui va avec. C'est ça, donc on a une application dédiée, donc on a des données sur la santé du cheveu, et on analyse aussi tout ce qui est autour de la manière dont la personne se brosse les cheveux. Alors c'est-à-dire, si on ne fait pas les bons mouvements, c'est quoi? Ouais, donc par exemple, est-ce qu'on met trop de pression sur le cuir chevelu? Regarde bien, prends les cheveux, je prends des notes, ou même dans les longueurs, en fait, est-ce qu'on va, certaines personnes se brossent juste les cheveux trop fort et arrachent des cheveux au fur et à mesure au quotidien. D'accord. Je suis pas une femme. J'utilise pas ça tous les jours parce que j'ai pas les cheveux longs en effet. Mais est-ce que on s'en rend pas compte tout seul naturellement? Non, tout ce qui est au niveau de l'état vraiment d'usure et la casse des cheveux, c'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. On se rend pas forcément compte que les cheveux se cassent tout seul. Autant la sécheresse peut-être est perceptible, autant ces deux autres paramètres-là sont assez difficiles à voir à l'œil nu chez soi. D'accord. Alors vous avez passé un accord avec. Kérastase, je crois. Hein. Ouais. Pourquoi ? Donc, c'est Kérastase, eux, c'est vraiment les leaders dans les coiffeurs, en fait. Et nous ont vraiment apporté sur ce produit-là tout ce qu'ils connaissent sur l'état de santé du cheveu. Et la manière dont. Enfin, ils travaillent avec nous sur l'algorithme et justement sur comment reconnaître ces différents paramètres à partir de. Parce qu'en fait, on acquérit le son ici, on a un petit micro. Et en fait, il y a un micro au milieu de la brosse à cheveux. Il y a un micro au milieu. Attendez, mais on pourrait faire des lives avec ça. T'imagines ? Attends. Oui, alors comment ça va ? Remets-nous l'image un peu, Pierre. Regarde. Oui. Oui, nous sommes en direct du CES de Las Vegas et tout va bien. Oh mon Dieu, les amis, on touche le fond là. On est au bout du rouleau. Ouais. Vivement que ça se termine. Hein. Alors tiens, j'en profite pour me recoiffer un peu. Ouais, allez, vas-y, recoiffe-moi, moi. Aïe, ça fait mal. Oui, évidemment, ça sert à rien, t'as pas de cheveux. Non, mais là j'en ai un petit peu, mais ça fait mal quand même. Et d'accord. Il débute en brossage. Combien ça va coûter ? Ouais. Donc le prix n'est pas encore définitif, mais ça sera en dessous de 200 euros. En dessous de 100 euros. Oui, ça sera disponible milieu de l'année 2017. Et allez, parlons-nous franchement, le deal avec Kérastase. Oh, elle a vibré, là. quand j'appuie sur un bouton, elle vibre dans le manche. Parce qu'à terme, l'idée, c'est de. Quand la personne se brosse trop fort et qu'elle est en train d'abîmer ses cheveux, justement, on va vibrer un peu dans le manche pour lui dire fais attention, tout de suite, tu abîmes tes cheveux. C'est pas juste un truc pour vendre des produits Kérastase, ça ? Non, pas du tout. L'idée, c'est que la personne derrière, si elle veut, on lui propose de base une routine Kérastase, mais elle peut également choisir tous les produits qu'elle veut. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Bon, bah pourquoi pas, hein. Voilà, la brosse à cheveux connectée. Et ça se recharge comment? Donc il y a deux piles AAA qui sont dans le manche, en fait. Et qui durent combien? Vous avez près 6 mois. 6 mois? Ouais. D'accord. Mais autrement, si on n'a plus de piles, on peut se brosser les cheveux quand même, ça marche quand même. Oui, l'idée, c'est que ce soit déjà une très bonne brosse de base. Ah oui, c'est déjà une très bonne brosse. Voilà. Et ça sort quand? Donc au milieu de l'année 2017. Milieu 2017, ouais. D'accord. Et c'est WeSings qui sort ça, c'est étonnant ça. Hein, quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? On a Ken Zax sur Twitter qui nous demande si ça marche pour la barbe. Je ne crois pas. Quoique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plus en plus de barbus. Ça peut marcher ou pas? Non, mais par contre, c'est homme-femme. Oui, dès qu'on a suffisamment de cheveux. Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Donc au moins la longueur du menton. Ok, très bien. Super, merci beaucoup Mélanie. Merci. Merci d'être passée nous voir. Bonne chance à cette brosse connectée. Merci. Et on va maintenant rester alors dans le bien-être et plus particulièrement s'intéresser à la santé, au médical, Jérôme, avec notre invité Eric Seban, qui est en train de se préparer et qu'il faudrait faire venir tout de suite. Voilà, oui. Puisqu'on va découvrir avec lui le VisioCheck. Le VisioCheck, il va nous expliquer ce que c'est. Tu vas voir, ça ressemble à un gros smartphone. Oula. Mais franchement, pour lutter contre la désertification des médecins, c'est un truc quand même assez génial. Voilà, bienvenue, avec nous. Installez-vous. Bonjour à vous. Voilà, c'est pas forcément très confortable. Non, hein, mais ça va, on est bien là. Vous êtes le PDG de VisioMed et vous avez avec nous apporté ce que vous avez révélé donc au CES de Las Vegas. Ça, c'est une petite station médicale connectée, c'est ça? Exactement, alors c'est la plus petite station de télémédecine connectée au monde. Elle pèse 300 grammes. Actuellement, il existe des grosses machines qui pèsent plus de 200 kilos, qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et bien, cette petite machine va pouvoir rapporter l'égalité des soins dans les territoires où il n'y a pas de médecin. Donc, vous avez entendu parler de la désertification médicale. Oui. C'est la réponse à la désertification médicale, mais pas que. Concrètement, qui pourrait avoir ça et dans quelles circonstances? Racontez-nous. Parlez bien près du micro. Pardon. Par exemple, je ne sais pas comment ça s'installerait. C'est-à-dire que je suis dans un village où il n'y a pas de médecin aux alentours. Oui. On peut imaginer que dans un lieu public, il y ait cet appareil. Et que, idéalement, un maire d'une ville où il n'y a pas de médecin dans la région, très loin, pourrait mettre à disposition des habitants de la commune sur un chariot de télémédecine que je n'ai pas pu apporter ici, mais qui est tout petit. Cette machine, il y aurait juste une assistante qui accueillerait les gens, qui les mettrait dans la petite salle pour faire une téléconsultation. Et à l'autre bout de la caméra, qui est positionnée au centre de l'appareil, vous avez un médecin. Et le médecin peut réaliser sa consultation avec son patient, rédiger une ordonnance. L'ordonnance est imprimée sur une petite imprimante 3D qui est à côté de la station de télémédecine. Et le patient va directement à la pharmacie. Alors, récupérer ses médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire comme examen avec ce genre d'appareil? Alors, cette petite machine englobe tous les dispositifs médicaux nécessaires à une consultation médicale. Je m'explique. Un thermomètre, un électrocardiogramme, saturomètre, donc c'est pour mesurer la saturation d'oxygène que nous avons dans le sang, un lecteur de glycémie et un tensiomètre, bien évidemment. Et nous allons... C'est des constantes vitales importantes. C'est-à-dire qu'avec on a déjà, on va dire, un état des lieux de la santé de quelqu'un, c'est bien ça? Évidemment, bien évidemment. C'est ce qu'on fait quand on va chez le médecin au début. Peut-être pas toujours chez le médecin, mais en tous les cas, quand vous arrivez à l'hôpital et que vous avez un problème de santé, on vous prend toutes ces constantes que je viens de vous citer. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va intégrer très rapidement un spiromètre. C'est pour mesurer le débit d'air dans les poumons. Pour les gens qui font de l'asthme, c'est extrêmement important. Oui. Et un mini laboratoire d'analyse biologique. Non, et là, c'est une vraie révolution. Mais c'est une analyse sanguine? Ça fera des analyses de sang? Je ne peux pas tout vous dévoiler maintenant, mais voilà. CES 2018 Un peu avant. D'accord. Mais on pourrait imaginer aller plus loin encore, avec un mini-labo portatif. Exactement. Extrêmement simple d'utilisation, qui peut être utilisé par n'importe quel type de personne. Alors Eric, vous disiez que ça peut évidemment être dans des mairies, installées dans des lieux publics où il n'y a pas de médecin tout autour. Oui. Et ça peut arriver aussi chez, un patient qui est en phase de surveillance. Ça évitera le médecin de se déplacer, de venir le voir. Mais complètement. Vous sortez de l'hôpital, vous sortez d'une opération, ce qu'on appelle l'hôpital de jour. Vous rentrez le matin pour une opération, vous sortez le soir. Vous devez être suivi pour savoir comment évolue l'opération, s'il n'y a pas d'infection. Vous pouvez repartir au domicile avec ce type de machine. Le médecin est en relation directe avec l'ensemble de vos constantes.
et peut intervenir, modifier le plan de soins si nécessaire. Mais Eric, il faut quand même une pratique. Enfin, les professionnels savent très bien faire ce genre d'examen. Est-ce qu'un simple particulier sera capable de bien positionner les électrodes Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des résultats erronés qui pourraient mettre en danger la vie du patient si le médecin n'a pas les bonnes informations? Alors, dans le cadre d'une utilisation personnelle, vous avez des tutos. Hein, qui défilent sur l'écran, on vous demande comment positionner un brassard de tension. Je crois que tout le monde sait positionner un brassard de tension. Il faut juste le mettre sur l'avant-bras, sur le bras, pardon, et la tension se prend automatiquement. La température, c'est avec notre technologie thermoflash qui a révolutionné le monde de la température il y a déjà une dizaine d'années. C'est comme ça que la société est née. Hein. C'est avec le développement de ce produit magique où nous avons inventé un thermomètre sans contact. Saturation d'oxygène, c'est un petit clip qui se met au bout du doigt. Oui, donc là, il n'y a pas de risque de mauvaise utilisation. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'en tous les cas, cette petite révolution a bouleversé en tous les cas les visiteurs que nous avons eus sur notre stand. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Oui, vous me disiez, qui sont par exemple, intéressés. Voilà, les transports aériens. On n'avait même pas pensé à ce type de canal de distribution. On a reçu des avionneurs qui sont extrêmement intéressés pour équiper les avions de cette machine en cas de problème de santé d'un passager. Et comme cette machine est connectée via Internet et les données sont envoyées via le cloud, un médecin au sol pourrait prodiguer des soins en récoltant les données de cette machine-là. Mais je pense qu'on a de temps en temps des drames sur les avions. Mais ça arrive souvent, malheureusement. Ça arrive souvent. Debbie Fischer, la princesse Carrie Fischer, est décédée comme dans ces circonstances. Mais juste un petit commentaire. C'est vrai que moi, je suis très favorable, vu de l'extérieur, à ce genre de produit, parce qu'on voit le temps qu'un médecin ou même à l'hôpital va passer à faire ce genre d'examen quand on arrive, avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet. Si on arrive et qu'on a déjà tous les éléments, c'est super. On gagne du temps, on gagne de... C'est ce que je dis depuis longtemps. Ça va redonner de la convivialité entre le médecin et son patient. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas convivial, ça va réhumaniser la relation patient-médecin. En fait, maintenant, le médecin va pouvoir prendre du temps pour parler de la pathologie des gens et non pas passer sur les 10 minutes qui est globalement le temps de la consultation. Il passe 7 minutes à faire des examens. Il a plus le temps de parler de la pathologie. Éric Seban, malgré tout, comment réagissent les médecins? Parce que c'est les principaux concernés aussi. Est-ce qu'ils ont confiance en votre système? Est-ce qu'ils sont prêts, justement, à installer tout ça? Alors, pour faire un peu d'historique, Visiomed développe des dispositifs médicaux de santé depuis déjà 10 ans. On est leader en France et dans pas mal de pays dans le monde. Alors, sur la qualité, la fiabilité, on est extrêmement légitime pour développer ce type de machine. Oui. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Mais il est vrai qu'il va falloir un petit peu bouleverser la réglementation. Il va falloir rémunérer les médecins pour pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça? Si, bien sûr. Bien d'accord. Sûr. C'est un produit qui est en cours de marquage CE. Oui. On va l'obtenir dans pas très longtemps. Mais ce n'est pas considéré comme une visite médicale, c'est ça? Alors non, vous savez que l'article 36 sur la télémédecine a été modifié. C'est devenu l'article 47 maintenant, où le médecin... Alors, c'est encadré avec les ALD, c'est les infections de longue durée. On peut effectuer de la télémédecine dans certains cas, dans certaines conditions. Et là, le médecin est rémunéré. En fait, c'est juste l'élément déclencheur qui va permettre à toute cette nouvelle technologie, le numérique, de pouvoir prendre son envolée. Les médecins doivent être rémunérés. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là également, bien sûr. C'est vraiment une condition sine qua non. Très bien. Ça coûte combien? Ça coûte 2500 euros. Oui, voilà, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter. En fait, ça ne s'achète pas, ça se loue. Ça se loue, c'est ça. Comme un tensiomètre à l'hôpital, etc. C'est passionnant, merci beaucoup. Et vous ouvrez aussi la porte vers un nouvel univers, à tout point de vue. Réticence éventuelle, on vient de les évoquer, etc. Super. Passionnant, Seban, merci beaucoup. Visiomed. Merci à vous. C'est ça aussi le Visio CES. Check. Et c'est ça aussi Zeronet TV. Il n'y a pas que des gadgets, on va dire, futiles. Il y a des choses aussi hyper importantes. Il y a de tout. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne tout de suite. Alors, je vous rappelle qu'on est en direct. Hashtag ZeronLive sur Twitter. N'hésitez pas à réagir en temps réel. Vous pouvez nous laisser vos messages. On va maintenant... Juste avant, François, un petit mot pour ceux qui nous regardaient en vidéo 360 sur le compte de Giroptique. On va vous dire au revoir. Oui. Voilà, c'était une expérimentation. C'est la fin de l'expérimentation. Bye bye. Le monsieur Giroptique récupère sa caméra. Merci beaucoup. Et peut-être que dans quelques années ou quelques mois, on fera des lives en 360. Hein. Oui. Pourquoi pas? On verra bien. À regarder dans les cardboards. On va maintenant parler de connectivité. Exactement. Et d'un sujet que moi j'avais évoqué dans De quoi je me mêle avec Victor Jakimovic et Pascal Petitpas. C'est une espèce de petite boîte, tu vas voir, qui est géniale, qui permet de trouver du réseau quand on n'en a pas. C'est un truc de dingue. C'est vrai que parfois, tu es en edge, tu n'arrives pas à capter la 3G ou de la 4G. Eh bien, cet appareil... Enfin, s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Eh bien, tu vas voir que... Alors, évidemment, quand si tu es en plein désert et que tu n'as rien, ça ne va pas t'aider. Mais dans certaines circonstances, ça va pouvoir te trouver du réseau. Bonjour, Virginie Wagon.
Bonjour, il faut bien faut parler dans le micro. Parler bien dans le micro, voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de 01net TV. Merci de nous accueillir ici Dairon. Aux US. Oui, qu'est-ce Dairon. Que c'est ? Expliquez-nous. Alors Dairon, c'est un boîtier qui est effectivement un booster de connexion Internet et qui va avoir cette capacité à stabiliser, amplifier et sécuriser votre connexion. Alors là, il y a deux produits, hein. on va les détailler. Le produit, on va dire, qui est un peu plus gros, lui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que si mon téléphone ne capte pas 3G ou 4G, ça vaut peut-être le coup de brancher cet appareil, parce qu'il va peut-être lui en trouver. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais comment il fait ? En fait, parce que si mon téléphone n'en trouve pas, comment vous oui. arrivez à en trouver ? Alors, en fait, l'appareil, pour fonctionner, a besoin d'un minimum de réseau. Comme vous le disiez tout à l'heure, s'il n'y a rien, on ne fera pas de miracle. Par contre, si vous avez un très faible signal, Dairon va pouvoir amplifier et booster votre connexion. Comment il fait ? Alors, en fait, on a travaillé un algorithme. C'est si on a une seule barre sur le téléphone. Exactement, c'est tout à fait ça. Une seule barre suffit pour pouvoir multiplier par 5, 10, voire même 15 fois en fait, votre réseau initial. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, de la météo, de votre opérateur. Il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en compte, bien évidemment. Mais globalement, vous allez amplifier votre connexion Internet. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont aujourd'hui en zone d'ombre, qui est vraiment une problématique. Donc, l'idée de Dairon, c'est d'amener la connexion à tous aujourd'hui. Mais alors, dedans, il y a quoi ? Il y a une carte SIM ? Il y a plusieurs cartes SIM ? Il y a une carte SIM data. Et on a développé un algorithme qui se concentre en fait sur le pilotage des réseaux. On l'a fait de façon intelligente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le boîtier va se caler, va favoriser un 4G, un 3G full, plutôt que d'aller sur un 4G qui va être dégradé ou qui va être de moyenne qualité. Oui. Et ça, c'est la vraie différence avec Dairon. Mais est-ce qu'il va choisir aussi le bon opérateur qui va être le plus puissant ou pas ? Alors ça, c'est la deuxième. C'est une question d'abonnement, non ? Exactement. Ouais. Aujourd'hui, le produit fonctionne avec n'importe quelle carte data, n'importe quel opérateur. Maintenant, Dairon a poussé encore le curseur de l'innovation, puisque Dairon devient Dairon Telecom, opérateur. Et là, on va effectivement garantir à l'utilisateur que sa carte data Dairon Telecom et l'appareil couplé, le couplage de ces deux facteurs, va garantir à l'utilisateur d'avoir le meilleur réseau. C'est-à-dire qu'il va prendre, il va scanner tous les opérateurs qu'il va capter. Exactement. Il va prendre le meilleur. Exactement. Et là, il va donc proposer le meilleur débit parce que ça sera le meilleur. C'est en fait. Tout à fait ça. C'est ça. C'est tout à fait mais ça. Après, il faut souscrire un abonnement, j'imagine. Après, il faut souscrire un abonnement. Après ou avant, d'ailleurs. Exactement. Mais il n'y a pas d'obligation à souscrire un abonnement chez Dairon Telecom. Donc, je suis chez moi, j'habite dans la montagne, très loin, je reçois. Trifouille-les-Oies. Non, Trifouille-les-Oies, c'est en plaine. Ah merde. Pardon. Je reçois juste un tout petit réseau 3G. Qu'est-ce que je fais ? Je mets ma carte SIM à l'intérieur. Vous mettez une carte SIM. J'allume le truc. C'est ça. Et ensuite, dessus, je branche quoi ? Directement mon ordinateur ou bien un réseau Wi-Fi ? Après, c'est un réseau Wi-Fi. Ah, c'est un réseau Wi-Fi, donc c'est une box. Absolument. C'est un routeur. Exactement. Et vous pouvez brancher jusqu'à 10 devices sur l'appareil. D'accord. Mais alors, juste, vous avez fait des tests, ça marche vraiment ? Parce que moi, je suis un peu dubitatif, je vous avoue. Bah, je me dis, tiens, avec mon smartphone, si je ne capte rien, comment ce truc-là arrive à capter ? Et on arrive à avoir des résultats vraiment impressionnants ? Bien sûr, vraiment impressionnants. Peut-être que dans ton smartphone, tu n'as pas les puces hyper top qui vont te permettre de capter, même quand il y a un très faible réseau. Ouais. Exactement. Et puis, c'est les antennes aussi, j'imagine. C'est les antennes, et on a vraiment cette technologie qui fait qu'on travaille... Alors, intelligemment, comme beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, les routeurs, les téléphones vont bêtement sur la chose la plus facile. Nous, on va plus loin, en fait. D'accord. Et on a vraiment travaillé un algorithme assez fort qui nous permet d'aller justement chercher l'antenne ou le réseau qui va être le plus puissant. Et pourquoi c'est si gros ? Parce que justement, ça, du coup, ça chauffe, il faut... Non, mais ce serait logique, ce serait pas... Ça ne chauffe pas, bon, ça d'accord. Ne chauffe pas. En fait, ça fait un routeur chauffage. C'est le deuxième truc. Non, mais peut-être qu'il faut plus d'alimentation électrique, je sais pas. Non, la particularité du Dairon Home, c'est qu'il a un Windows 10 intégré. Et ah du bon coup, à une fonction PC. C'est-à-dire que vous avez une sortie HDMI quand vous allez le brancher sur un écran de télévision. Ah bon, directement ? Exactement. Ah, c'est un PC. Voilà. Et du coup, ça devient un PC. Vous pouvez retrouver votre bureau d'ordinateur. Il n'y a pas de disque dur. Mais il vous faut. En fait, mais vous avez deux sorties USB qui vous permettent d'intégrer vos données. Donc, il vous faut un Windows 10 pour faire fonctionner vos algorithmes, etc. Ou ça n'a pas rien à voir ? Pas du tout. Rien à voir. C'est vraiment une fonction supplémentaire. Exactement. C'est une fonction supplémentaire. Alors, ça, c'est pour le gros. Ça, c'est le petit. Alors, le petit.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit... Non, il faut que tu le mettes devant, voilà. Regarde, hop, je pense là, que ce sera le mieux. Voilà, si tu là. Le mets là. Alors, racontez-nous. Alors, le petit, c'est le compagnon idéal pour tous les déplacements, parce qu'on sait très bien combien il est difficile d'attraper un réseau Wi-Fi ou une connexion Internet convenable dans les déplacements professionnels, en train, à l'étranger. Donc là, vous avez le compagnon idéal qui va avoir la même capacité, la même fonction. Sauf donc que il voilà, va capter il du réseau, même si mon smartphone n'en trouve pas, lui, il va en trouver. C'est ça. Il faut toujours, c'est toujours la même règle. D'accord. Il faut qu'il y ait un minimum de réseau. Un minimum de réseau, s'il n'y a rien, on n'est pas magicien. Oui. Et s'il y a un minimum de réseau, ouais. Oui, il a cette capacité. Si je suis en 33e sous-sol, dans un parking... Il y a des parkings en 3e sous-sol où ça fonctionne. Oui, il y a du réseau. Mais globalement, d'accord. L'image est bonne. Et là, donc, c'est nomade, c'est-à-dire que je peux l'emporter partout. Partout, absolument. Il y a une batterie intégrée. Il y a une batterie de 5, avec une autonomie de 5 heures. D'accord. Sur les deux. Mais celui-là vraiment, a plus une fonction statique à la maison, pour les gens notamment qui sont concernés par les zones d'ombre, où c'est vraiment important, où on leur amène une connexion. Et celui-là est plus effectivement à vocation nomade. Ça coûte combien? Ça coûte 399 pour le mini. Pour le petit, d'accord. Et 799 pour le home. D'accord. Bon, évidemment, ça coûte pas mal d'argent, mais... pour tous ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas de réseau, on est peut-être prêt à investir 800 euros pour avoir un truc qui fonctionne. Absolument. Mais est-ce qu'on peut tester, par exemple, je ne sais pas, mais parce que véritablement, ça a du sens que si on le teste, ce genre d'appareil. Oui. Je ne sais pas, moi, j'habite peux-tu dans un préciser ta question. Non, mais j'habite dans un village où j'ai pas compris, de réseau. C'est pas compris non plus. Hein. Non, mais j'habite dans un village où j'ai pas de réseau. Je me dis, tiens, je voudrais bien tester ce truc-là, mais peut-être qu'il me trouvera rien du tout avant malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je l'achète et que ça ne me sert à rien. Mais le curseur, c'est vraiment votre smartphone, en fait. Si vous avez un minimum de réseau sur votre smartphone... On peut se dire... Non, mais François a raison. J'ai un minimum, j'achète, je dépense 400 euros, j'arrive à la maison, ça ne marche pas. Il y avait malgré tout pas assez. Alors, ça peut... Après, ça dépend aussi de si je l'achète sur Internet, je le renvoie et c'est réglé. Pas exactement. Ah bon? Pas exactement. Mais globalement... à aujourd'hui, on n'a pas eu de retour pour des gens pour qui ça ne fonctionnait pas. Bon. Mais ça dépend du mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on peut aller de 3, 5, 10 fois, 15 fois en fonction de la situation géographique. C'est comme si tu achètes des CPL et puis que finalement ça ne marche pas bien parce que ton réseau électrique n'est pas compatible, etc. Ouais, c'est, voilà, c'est le même problème. D'ailleurs, donc, vous êtes en Lorraine, hein, c'est ça, hein? Lorraine, 100% made in France. Eh bien, bravo. Super. Avec la French Tech et la Lorraine Tech. Voilà. J'espère que le CES va vous permettre de vendre votre technologie. Ouais. Un peu partout dans le monde. Ça a bien marché, ça va, c'était Oui. Des très bons contacts, ouais, tout à fait. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé nous voir. On va rester dans la French Tech. On va rester avec un autre start-upper, un entrepreneur français qu'on connaît déjà aussi un petit peu sur The Runet TV. C'est la société Invoxia. Et nous accueillons Invoxia, donc, qui va nous parler de la toute nouvelle version du système Tribi. Regardez, vous le découvrez sur ces images. Tribi, là, je vous le résume très très vite, vous le collez sur la porte du frigidaire et ça permet, quand on est à l'extérieur, d'envoyer des messages sur son smartphone qui vont être visibles, y compris pour les tout petits qui, eux, n'ont pas de téléphone et qui ne savent pas forcément manipuler un téléphone. Voilà, donc, c'est un petit post-it dessin. Nouvelle génération, quoi, c'est voilà, ça. Voilà, hein. On a des messages audio, etc. On peut même écouter la radio, etc. Et on a même Alexa dans Tribi. Alors voilà, on va en parler avec Serge Renoir qui est notre invité. Bonjour. 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 De la société Invoxia, entreprise française, donc on l'a dit, présente sur le CES depuis plusieurs années maintenant. C'est notre sixième année maintenant sur le CES. Sixième année, ouais, vous êtes des vieux de la vieille, hein. Comme François. Un peu comme nous. Ça a bien changé. Ça a bien changé. 57e CES, François, quand même. Hein. C'est pas possible, il y en a eu que 50. Il fait pas son âge. T'es sûr de ça? C'est compliqué le CES. Avant, il y en avait 50e deux par anniversaire, etc. 50e, mais c'est vrai qu'il y en a eu plus parce qu'il y a au tout début du CES, il y en avait à New York aussi, deux fois par an. Il y en avait à Chicago. Ça a démarré à New York et ensuite il y en avait deux par an, un à Las Vegas. Tu sais quoi, il faudrait Chicago. Qu'on appelle Victor Jakimovic. Oui, c'est Victor qui m'a raconté tout ça. Pour nous refaire l'historique en fait. Bon, alors, le Tribi, moi je l'ai testé pour tout vous dire. Je l'ai gardé 6 mois à la maison. Et c'était assez sympa, mais personne chez moi s'en servait. C'est ça qui est terrible. Ça y est, parce qu'en fait, tout le monde l'histoire. Est connecté avec. Tout le monde était connecté avec un smartphone et on ne trouvait pas l'usage. Mais c'est vrai que ça a du sens, ce genre d'appareil, lorsque. On a des membres de la famille qui n'ont pas de smartphone, qui sont enfants. Jeunes et qui veulent rentrer en contact avec la famille, c'est ça, qui elle est connectée. Alors ça, c'était un peu l'idée de la première version du Tribi, c'est-à-dire avoir un produit qui avait un positionnement très famille avec jeunes enfants et donc qui permettait aux jeunes enfants d'avoir accès à des services de messages, à des services de téléphonie et à des services de radio internet ou de streaming de musique. Cette année, on revient au CES avec une version un peu modifiée du Tribi. D'abord, un reskin très joli.
pour avec un positionnement. Non, il a la même taille, mais un positionnement un peu plus épuré, un peu plus haut de gamme. Mm-hmm. Et surtout, on permet, grâce au Tribi, d'accéder à un certain nombre de services, une plateforme de services, sans avoir besoin de son smartphone. Et donc, on a enrichi les services du Tribi, outre la téléphonie, les messages, la musique, par des services de home automation à travers des standards comme IFTTT ou HomeKit. Mm-hmm. Et donc, ils vont permettre d'associer au bouton du Tribi un certain nombre de scénarios. Alors, par exemple, son scénario du matin, j'appuie sur un bouton, ça va augmenter la température, ça va ouvrir les volets, ça va aérer la maison, ça va démarrer le café, couper l'alarme, etc. Ça peut devenir une télécommande d'objets connectés, en fait. Exactement. C'est ça, hein. Donc, vous avez cité HomeKit, c'est-à-dire Apple, donc c'est pour les objets compatibles HomeKit. Les objets compatibles, chauffage, et autres, qui malheureusement ne sont pas encore très très nombreux en France. Il y en a de plus en plus. Capteurs, lumière. HomeKit, il y a une autre chapelle, c'est Amazon avec Alexa. Et donc l'autre service très important sur Tribi, c'est Alexa, donc service de reconnaissance vocale d'Amazon, qui est aujourd'hui disponible aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Pas encore en France, là encore, mais qui sera disponible en France bientôt. Vous savez quand ? Moi, je ne sais pas quand, mais il y a encore pas très très longtemps à attendre, je pense. Ah, tant mieux. Voilà. C'est un début d'info. Et donc, Alexa, c'est quoi ? C'est un service de reconnaissance vocale qui est fait par Amazon et donc qui va permettre d'avoir accès à un certain nombre d'informations, la météo, ces informations de trafic routier, mais également de piloter un certain nombre d'objets de la maison à la voix. Donc, allumer ses lumières, voilà, fermer ses portes. On peut rappeler peut-être en deux secondes ce que c'est qu'Alexa, finalement. C'est une espèce de couche d'intelligence artificielle disponible dans l'appareil vendu par Amazon, donc le petit boîtier Echo, mais également dans ce genre d'appareil parce qu'il il crée vraiment le lien entre tous les équipements qui vont être compatibles. Donc, vous l'avez dit, ça peut être lumière, des enceintes connectées, etc. Mais il faut que ce soit... C'est aussi l'information, par exemple, combien de temps je vais mettre pour aller de tel endroit à tel endroit. Oui, c'est des informations qui peuvent être fournies soit par Amazon, soit par des serveurs tiers. Hein, d'accord. Par des tiers. Okay. Réserver son Uber, ça marche aussi à la voix. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc, alors, l'ancien Tribi était compatible Alexa, le nouveau aussi, bien sûr, bien j'imagine. Sûr, bien sûr, d'accord. Mais avec également des améliorations toujours sur la partie acoustique. Parce que donc sur Alexa, en fait, ce qui est très très important, outre l'accès au moteur de reconnaissance vocale qui est piloté et fait par Amazon et sur lequel tous les objets sont équivalents, il y a après la détection de ce fameux mot-clé Alexa qui permet de démarrer le service. Et c'est donc là, pas besoin d'appuyer sur un bouton. On n'appuie pas sur un bouton, c'est comme à la voix. Donc c'est comme l'écho d'origine. Exactement. On lui dit Alexa et il répond. Exactement. Et c'est la différence qu'il va y avoir entre tous les objets qu'on voit aujourd'hui sur le CES qui intègrent Alexa, mais dont l'expérience utilisateur risque d'être un peu décevante à cause de cette détection de mots-clés qui ne marche pas très très bien si on ne prend pas toutes les dispositions acoustiques. Et nous, c'est vraiment notre cœur de métier, la partie acoustique. Et donc le fait d'être capable de capter votre voix jusqu'à 5 mètres lorsque vous dites Alexa pour enclencher le service. Effectivement, parce que si on est obligé de venir répéter 4 fois, c'est juste inutilisable. Dans le frigo, c'est fatigant. Ouais, non. Ça se colle toujours au frigo ? Oui. Ça se colle toujours au frigo, mais c'est sur batterie, on peut le mettre ailleurs. Voilà. Il y en a beaucoup qui le mettent dans la salle de bain. Ah oui, aussi. Ah oui. Et parce qu'on peut écouter la musique en Bluetooth. Ça fait radio. C'est ça cool. Et le son est très très bon. Vraiment super bon. Le prix ? Ouais. Le prix, c'est toujours 199€. Voilà. Ça n'a pas bougé. Et il est disponible à partir de quand ? Alors, cette version-là sera disponible en mars. En mars prochain. Ouais. Eh bien, on testera. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et vraiment, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'au-delà du produit, voilà, c'est une brique française de l'écosystème maison connectée, Alexa HomeKit, etc. Et ça, c'est l'avenir, les amis. Exactement. Serge Renoir, merci beaucoup. Merci. Pour donc Tribi. Et on enchaîne maintenant avec, non pas une start-up, non, mais un distributeur que vous connaissez mais forcément. Ils sont gentils aussi. Hein. Oui, ils sont très gentils. Un distributeur que vous connaissez forcément et qui a fait le déplacement ici au CES de Las Vegas avec La Poste. Tiens, je rappelle que nous sommes sur le stand de La Poste, on ne l'a pas dit aujourd'hui. Et on remercie véritablement toute l'équipe de La Poste ici qui nous accueille vraiment très gentiment. Dans un super petit studio. Exactement. Nicolas Pérignon est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Bonjour Jérôme. Directeur bonjour de la com donc, de Boulanger. Et oui, c'est Boulanger, le distributeur qui est ici. Boulanger, l'ami des geeks. L'un des amis des geeks. Hein. Exactement. Parce que quand on est geek, forcément, on y va quoi ? Une fois par mois ou... Oui, c'est vrai. Parfois plus, quand on est bien, bien addict. Avec de jolis magasins. Enfin, voilà, c'est... Boulanger, c'est très sympa. Et alors, pourquoi vous êtes là au CES de Las Vegas avec La Poste ? Bah, en fait, on vient de lancer un nouveau service sur l'application Boulanger et aussi sur l'application du hub numérique de La Poste. Ce nouveau service, c'est quoi ? C'est de pouvoir accompagner
tout à chacun dans l'utilisation de leurs objets connectés à la maison. On sait qu'il y a de plus en plus d'objets connectés à la maison, on sait que ça change les choses. On sait aussi que c'est pas forcément super simple. Vous, vous êtes des initiés. Parfois on a du mal. Je peux vous dire que parfois on se téléphone le week-end, t'as appairé le truc, mais j'arrive pas, il n'arrive pas de se déconnecter. On est là pour vous et pour tous les Français. Parce que dans l'application du Hub numérique, comme dans l'application Boulanger, vous avez aujourd'hui un espace dédié au service dans lequel vous pouvez poser vos questions ou résoudre les problèmes liés à vos objets connectés. Donc, poser une question, c'est quel est le meilleur objet connecté pour l'utilisation que je souhaite en faire, ou si vous avez un objet connecté à la maison et que vous avez un problème, pour le connecter à un autre objet connecté, ce qui est l'objectif de l'application du Hub numérique, ou pour résoudre un problème avec cet objet connecté, on a des personnes dans le groupe Boulanger, dans nos filiales, qui peuvent vous répondre, soit en chat, soit en visioconférence, si on juge que c'est utile. Donc, au lieu d'appeler Jérôme, ou au lieu qu'il m'appelle le week-end, parce qu'on n'arrive pas à connecter le dernier truc qu'on a reçu. Le dernier routeur, le dernier le thermostat, machin bidule. Je télécharge l'appli Boulanger. Alors, il faut que je m'inscrive, etc. Vous téléchargez l'appli, vous avez un compte Boulanger, ou vous téléchargez l'appli du Hub numérique. Oui. Vous avez un espace service, vous cliquez dans cet espace et vous avez ces deux questions. J'ai une question, j'ai un problème. Et une personne en France, on a trois call center dans le nord de la France, chez Clicktel qui est la filiale de Boulanger, qui vont prendre la main, qui sont des spécialistes, qui sont formés à l'ensemble des objets connectés, et qui vont pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors on va dire que c'est une vraie préoccupation des distributeurs aujourd'hui, hein, parce qu'on va être tout à fait objectif. Je crois bien que la Fnac a un système un peu, un service un peu de ce genre. Darty aussi a plus ou moins un système d'assistance. Vous ne pouvez plus vous contenter de vendre des produits, il faut expliquer aux gens comment ça marche, quoi. Oui, et ça va même plus loin que ça. C'est que nous, on s'aperçoit que les objets connectés, c'est pas simple. Donc on a encore besoin de les démontrer. Et on travaille avec la French Tech, on travaille avec French IoT de La Poste. Et les startups qu'on accompagne, elles viennent dans nos magasins pour démontrer les produits. Et c'est à travers la démonstration que les gens peuvent estimer quel est le vrai bénéfice d'usage du produit. Mais est-ce que... Alors, question piège, est-ce que vraiment vos techniciens, les personnes qu'on a au bout du ligne, sont tip-top? Parce que quand c'est compliqué, c'est compliqué. Hein. Absolument. Alors quand c'est compliqué, c'est compliqué. On a une école c'est des métiers. Phrase, ça, hein. Ouais. Oui. Quand c'est compliqué, c'est compliqué. Franchement, je crois que ça va être la phrase du CES. Mais ça me rappelle une fois, dans la rue, je me promenais, j'entendais deux personnes qui discutaient, l'une qui disait à l'autre, c'est compliqué, et l'autre qui lui répond, ouais, c'est pas simple. Ah ouais. C'est ça résume bien la high-tech, ça. Bref, oui, pardon, poursuivez. On a chez Boulanger les partenaires, les fournisseurs qui nous accompagnent dans l'explication des objets connectés. Et on va plus loin que ça parce qu'en fait, on a aussi une école des métiers, ça s'appelle comme ça chez nous, qui forme les personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions. C'est les mêmes personnes qui forment aussi les gens que vous avez dans les magasins. Bon, alors quel type de produit par exemple? J'installe, alors j'allais dire Amazon Echo, non, il n'est pas sorti en France. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre comme produit compliqué? J'installe un routeur. Un produit Netatmo, un produit Bluetooth, etc., etc. On veut les connecter. On va prendre un exemple. Vous rentrez du travail, vous souhaitez que votre thermostat Nest se mette en marche pour qu'il fasse 19 degrés. Vous souhaitez que les Velux se baissent pour garder la température, etc. Vous allez pouvoir, sur l'application du Hub numérique, télécharger le scénario qui vous permet de faire ça. Et nous, si vous avez un problème dans la mise en place de scénario, on sait vous répondre parce qu'on a la main pour pouvoir vous répondre. Et encore une fois, j'insiste, c'est un vrai défi parce que, en plus, ces objets connectés, ils ne sont pas isolés, ils sont dans un écosystème. Parfois, le problème ne vient pas de l'objet, il vient d'un autre objet. Hein, c'est ce qu'on a connu dans l'informatique. Il faut qu'il y ait une vraie expertise, mais j'imagine que voilà, vous avez anticipé tous ces problèmes. Des interférences, des incompatibilités, des choses comme ça. Bon courage. Merci. Alors, les interférences, ces sujets-là, c'est plus l'application du Hub numérique qui va les résoudre. D'accord. Nous, on est là pour répondre aux questions. Dès lors que les produits sont dans l'application, ils peuvent être interconnectés. Donc, on est plutôt là pour accompagner les personnes dans la mise en place de leur scénario. Nicolas, pour que ça fonctionne, il faut que j'ai acheté mon produit chez vous? Non. Et combien ça coûte? Non. Ah bon? Alors, il ne faut pas que vous ayez acheté le produit chez nous. Il faut simplement que vous ayez un produit connecté ou vous souhaitiez acheter un produit connecté. C'est ouvert à tous. Ça, c'est malin. Et ça ne coûte rien sur l'application Boulanger comme sur l'application du Hub numérique. Pour les 3 mois qui viennent, c'est un service qui est offert. D'accord. Et après, on peut imaginer qu'il y a quoi? Ça sera un paiement à l'acte ou un abonnement? Vous ne savez pas trop comment ça va marcher? Non, on ne sait pas aujourd'hui. Ce qu'on a envie, c'est de le tester et de voir comment ça fonctionne. D'accord. Donc on l'a offert aujourd'hui dans l'application du Hub numérique comme sur l'application Boulanger. Ce qui peut être intéressant, c'est la visio, je trouve. Montrer des trucs, oui, etc. C'est mieux que du chat parce que le chat, c'est long. Ouais. Voilà, c'est... Alors, l'intérêt du chat, c'est que vous pouvez avoir votre historique.
Donc vous pouvez remonter pour savoir ce que on vous a dit. C'est sûr. Et effectivement, on passe en visio si besoin. Donc si le conseiller s'aperçoit qu'il y a un vrai intérêt à passer en visio, il peut passer en visio sur son téléphone. Et là, donc, il pourra discuter avec la personne, exactement, etc. Très bien. Bah, écoutez, attestez ça aussi. Hein. Oui, franchement, c'est très séduisant, en effet. Boulanger, donc. Merci beaucoup, Nicolas Pérignon. Merci à vous. Vous n'allez pas ouvrir des magasins à Las Vegas encore? Non, pas ces prochaines semaines. Parce qu'en plus, il y a de la concurrence ici. Hein. Il y en a aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bon, Jérôme, il est midi moins 10 ici, heure de Las Vegas. Ce qui nous fait du 20h50, en France. Voilà, on vous salue. Hein. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de téléspectateurs un peu partout. Tout à l'heure, je voyais même en Tunisie, au Canada, etc. Donc, on vous salue. Merci d'être là. On vous rappelle, avant de parler de drones, qu'il y a plein de vidéos à regarder sur 01net TV. Ouais. Plein de reportages. Franchement, on a carburé là. On a carburé. Beaucoup de vidéos de David Noguera aussi, de Raphaël Grably. Ils sont allés explorer la voiture autonome, la réalité virtuelle dont on parlait tout à l'heure. Enfin, vraiment, allez consulter toutes ces vidéos. C'est formidable. Il y a une manne d'informations que vous allez vous régaler. Mais avant de nous quitter, il faut quand même qu'on parle de ce qui nous a bien plu hier. Oui. On s'est fait une petite virée en amoureux. Exactement, hein, tous les deux. Bon, il y avait Pierre, notre JRI, mais c'est bon, vrai. Il était un peu à l'écart. Il tenait la chandelle. Hein. Il voulait pas, il la voulait caméra, pas nous pardon. Déranger. Et on était au South Hall donc, du Convention Center, ici à Las Vegas, où il y avait une partie d'un hall dédié aux nouveautés des drones. Et là, franchement, on s'en est pris plein la vue. Hein. C'était impressionnant. Regardez ça, on va commencer par quoi? Je ne sais pas, on va les découvrir en même temps. Et allez, on va Pierre, balance-nous. Vas-y, envoie-nous les drones. Alors, celui-là, c'est quoi déjà? Celui-là, ah oui, alors il je est beau, sais hein. lequel c'est, je crois que c'est celui de Zerotech. Oui. C'est un tout petit drone. Qui filme en 4K, celui-là. C'est incroyable. Hein. Donc là, on peut faire des images en ultra HD. C'est impressionnant. On ne se rend pas compte de l'échelle. Je pense que tout à l'heure, vous allez le voir. Il se replie et il n'est pas plus gros qu'une savonnette, une fois replié. Enfin, une grosse savonnette, on va dire. Et voilà, l'idée, c'est vraiment la petite machine à selfie. C'est peut-être la perche à selfie du futur, ça. Tu l'as dit, il filme en 4K, une autonomie de 20 minutes. Et si je ne fais pas d'erreur, il coûte 370 €. Celui-là, c'est parmi les moins chers. Oui, à vérifier, parce que bon, c'est souvent dollars. Après, il faut voir quand ça sort, etc. Oui, 370 $. Ce genre de choses. Allez, Pierre, vas-y, c'est le quiz drone pour voir si on a bien révisé. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je sais lequel c'est celui-là. Ça, c'est mon préféré. Ah. Ça, tout de suite, là, c'est mon préféré. C'est le Hover. C'est le drone Hover. Et alors, il est incroyable. Parce que là, tu vois, il est déplié. Ouais. Mais quand tu l'as en main ou quand tu le sors de ton sac à dos... Ça ressemble à rien. Il est replié. Donc, il prend la moitié de ça. Et alors, c'est un drone fait pour les selfies qui suit, regardez bien, il suit le démonstrateur, là. Il tourne en même temps que lui parce qu'il a une reconnaissance faciale. Et donc, il suit le personnage. Mais c'est génial parce c'est que regarde, tu fais un jogging, tu fais du vélo, tu te retrouves en famille, etc. Eh bien, ton drone va être ton petit caméraman volant qui va te faire des vidéos. Tu fais du jogging, tu te filmes, après tu te regardes et tu te dis mais qu'est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je transpire, c'est formidable. Regardez, là, on voit. Non, ça peut t'aider à corriger ta course, par exemple. Via l'appli, on le voit. Et alors, je ne sais pas si Pierre l'a filmé, mais pour prendre un selfie, il suffit de tendre la main. Mm-hmm. Tu sais, d'ouvrir la main devant la caméra. Ça lui, il va détecter qu'il y a une main ouverte. Il est 3 secondes après, il prend la photo. C'est génial. Super. Et super alors, en top. Plus, c'est un truc de dingue parce que tu le déplies, tu appuies sur un bouton, tu le lances et il vole tout de suite. C'est génial. Non, mais franchement, c'est impressionnant. Il y en a plusieurs Hover, comme ça. Il est en 4K. Il a un capteur de 13 mégapixels. Et il coûte voilà, $600. $600. Pour 10 minutes d'autonomie. Mais exactement. Vraiment un produit qui... sans doute préfigure ce que seront les drones de demain. Il y a Mathieu sur Twitter qui nous dit un drone qui filmera en 360, ce serait bien. C'est vrai, c'est une super idée. Tiens, on va en parler à Géoptique. Je pense que ça va arriver, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon comme drone en magasin? Ah, celui-là. Ah, celui-là, je te le laisse. Oui, je sais plus lequel c'est. Tu sais plus, hein. Mais c'était le tout petit qu'on avait vu au tout début. Ah oui, fait par une société chinoise. Alors, c'est un. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il filme en 3 mégapixels. Et il coûte $500. C'est un peu cher. Mais là, on paye la miniaturisation. Il est vraiment minuscule. Donc là, vous le mettez dans une toute petite boîte. Vous le gardez avec vous, dans votre sac de voyage. Et quand vous voulez, vous êtes avec des amis, vous faites de la rando, etc. Hop, vous le lancez. Et pareil, il va vous faire des photos magnifiques. Ou même de la vidéo, bien entendu. Vous avez vu, à Las Vegas, en plus, ils ne volent pas n'importe comment, les drones. Ils sont toujours derrière des grillages de sécurité.
Parce que sinon... Ah bah oui, t'imagines, là, il y aurait des accidents tout le temps. Oui, hein. Il y aurait des morts. On en a encore un, Pierre, ou pas? On en a encore deux. Allez, vas-y, on balance. On en a encore deux. Ah, celui-là, il est rigolo. Alors, celui-là, c'est vraiment étonnant. C'est le plus petit drone qu'on ait vu, en fait. Ah non, je me suis trompé. C'est celui-là qui coûte 500$. Et alors, celui-là, il n'existe pas encore. Hein. Là, vous voyez, c'est même pas un proto. C'est un... Comment on appelle ça? Un mock-up. Ou un mock-up, voilà. Mais la forme finale de cet appareil, ce sera ça. Et donc, c'est un tout petit drone qui est protégé, vous avez vu, tout autour. Donc, il pourra blesser personne. Mmh. Il ne pourra pas s'abîmer. Et il est fait aussi pour prendre des selfies, des petites vidéos. Et il n'a qu'une seule hélice. Alors, moi, je ne suis pas un super pro des drones, mais je ne comprends pas bien, du coup, comment il se dirige. Qu'une seule hélice, je ne vois pas comment il prend la direction de vol. Écoute, je ne sais pas. Il y a peut-être un petit... Ouais. C'est assez bizarre. Bon, on ne peut pas explorer malheureusement tous les sujets à fond une fois qu'on est comme ça dans les allées du CES. Mais il faut déjà, on le voit et on en saura plus quand ça sortira. Voilà, quand ça sortira, bien sûr. 3 parce mégapixels, que, 500$. Voilà, on ne sait même pas quand ça va sortir. Ah, je sais, on par nous a le... dit tout au ouais. long de cette, du courant de cette année. Je sais par lequel on va terminer. L'un des plus spectaculaires, regardez ça. Ce n'est pas un vaisseau spatial. Alors, on l'a déjà vu sur Zeronet TV, celui-là. Hein. Je crois que c'est Pepe Garcia qui l'avait filmé. Oui, c'est vrai. Il est, mais bluffant. C'est un œuf. Impressionnant. C'est un œuf volant. On connaissait l'œuf qui parle, voici l'œuf qui vole. Mais tu sais que c'est pas bête comme histoire, parce que, en fait, quand tu le transportes, ce drone, il est complètement fermé et on dirait un œuf. Ouais. Donc, très facile à transporter. Tu peux pas abîmer les pales, etc. Et là, regarde, il se déploie en plein vol. Il déploie, en fait, Et là, il y a les petits extraterrestres qui vont descendre, regardez. En fait, c'est pour atterrir. Tu vois, il va pouvoir atterrir ses petits pieds qui sont rétractables. C'est dingue, là, quand même. C'est le Power Egg. Alors, lui aussi, il filme en 4K. Vous voyez la caméra qui est en dessous, qu'on peut diriger indépendamment du drone via l'application sur smartphone. Et là, on tablette. Le voit fermé, vous voyez. Donc, on peut très facilement le transporter. C'est très malin. Et puis, même, tu peux le laisser au milieu de ton salon. Ça fait une jolie décoration. Moi, j'adore. C'est l'un de mes drones préférés. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas donné, hein, celui-là. Il coûte 1 500 €. Aïe, aïe, aïe. J'ai noté 1500. Euros parce que les euros et les dollars, c'est pareil aujourd'hui. Ouais, mais bon, après, si on rajoute les taxes... Exactement. Voilà. 20 minutes d'autonomie pour le Power Egg. Très beau drone. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, Jérôme. Hein. Oui, je suis surpris. On a réussi à faire entrer tout ce qu'on voulait dans ce depuis, dans on est ce en live. Direct depuis 56 minutes. On s'est dit, on va faire 1h30. Ouais. Et tout est rentré, mais alors pile poil. Bon, bah, c'est cool. On salue les geeks qui nous suivent au fin fond du Berry. C'est marqué là sur mon Twitter. Salut le Berry. Bon, allez, vous savez quoi? On va terminer ce Zéro en live en remerciant évidemment Pierre Thulien, Jean-David Duhart qui était ici avec nous au CES de Las Vegas. Salut mon petit Pierre, regardez comme il est beau. Et oui, c'est lui qui a réalisé l'émission aujourd'hui. Il faut faire un selfie alors, JD. Tu peux faire JD. Non, mais attends. Voilà, il fait un selfie avec la caméra. Voilà, Jean-David. Voilà, JD, super. Ouais. On remercie bravo aussi l'équipe à Paris. Bien sûr, absolument. Noémie. Lefebvre qui a suivi tout ça en backup à Paris. Avec Thomas. Avec Thomas Remilleret, bien évidemment aussi. On vous fait de gros bisous à vous à Merci Paris. Merci à David Noguera qui est passé nous voir à plusieurs reprises, à Raphaël Grablier également Raphaël de la rédaction de 01net. À La Poste aussi qui nous a accueillis. Bien entendu à La Poste. Voilà, avec ce joli plan fait par JD en direct. Voilà, on était comme des coqs en pâte ici encore une fois. Je remercie chaleureusement toute l'équipe de La Poste qui nous a vraiment accompagnés. Et voilà, en plus on est très heureux, on a découvert plein de trucs sympas ici. Sur ce stand de La Poste. À revoir en vidéo sur Zeronet TV. Et puis merci, bien entendu, à vous qui nous avez suivis durant ces 4 lives. Si vous en avez raté, eh bien, il n'est pas trop tard pour aller les regarder en replay. Et encore une fois, je le redis, toutes les vidéos, tous les reportages. Ouais. On a aussi d'autres vidéos qui vont arriver hein, tout au long de ce week-end et en début de semaine prochaine. Le JTEC samedi, un grand résumé. Ah ben non, c'était hier. C'était hier, ouais, parce que là, avec Las Vegas, on ne sait plus trop où on habite, hein, les amis. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis. On vous souhaite une belle soirée. Commencez bien cette semaine sous le froid en France. Nous, on va rentrer. Hein, on rentre là demain. On arrive, bougez pas. Et on reprend les vidéos, bien entendu, la semaine prochaine. Voilà, on sera là pour le 01 Live Hebdo dès jeudi prochain, bien sûr, depuis nos studios parisiens. Portez-vous bien, merci de nous avoir suivis. Et à très vite. Salut à tous.